sur une planète à peine plus grande qu'une maison. Un coin secret, une cachette, Bessie 112, c'était son nom. Il possédait 2-3 volcans qui étaient toujours bien ramonnés. Faut dire c'était pratique quand venait l'heure du petit déjeuner. Il en connaissait plus d'un rayon sur les soleils couchants. Cet amoureux du grand lampion aurait pu être heureux, mais pourtant il avait peur des baobabs qui poussaient n'importe où, de bas en haut, de haut en bas, il en poussait partout. Il avait peur des baobabs qui poussaient n'importe où, de bas en haut, de haut en bas, de quoi devenir fou. Lui, il aimait bien sa planète, il poussait des rosiers, des radis. En vérité, pour être honnête, elle avait tout du paradis. Mais dans le secret de la terre, hasard ou fantaisie, la mauvaise graine se terre jusqu'au jour où elle nous envahit. Faites attention au bas qui pousse n'importe où, de bas en haut, de haut en bas, il en pousse partout. Faites attention au bas qui pousse n'importe où, de bas en haut, de haut en bas, de quoi devenir fou. Pas méchant quand c'est petit, juste des brindilles fluettes. Mais attention quand ça grandit, ça vous ferait péter la planète. Dire qu'il suffirait d'un mouton pour sauver la planète. Ce brouteur des quatre saisons ne connaîtrait jamais la disette. Il brouterait les baobabs qui poussent n'importe où, de bas en haut, de haut en bas, même s'ils poussent partout. Il brouterait les baobabs qui poussent n'importe où, de bas en haut, de haut en bas, jusqu'à devenir fou.